C'est bon, tu es à l'abri maintenant. Pourquoi est-ce que ce player killer a fait quelque chose d'aussi horrible? Oui, je sais. Au fait, il ressemblait à quoi exactement? Je ne suis pas sûre. T'as pu le voir au moins? Je ne m'en rappelle plus très très bien. Mais il ne s'agit pas d'un homme. C'était bien une femme. Et elle était vraiment forte, alors je n'avais aucune chance. J'ai entendu une rumeur comme quoi Gord avait été blessé. Il se pourrait que ce soit la même personne, non? Qu'est-ce que tu as précisément en tête? Je ne pense pas que Tabby ait été blessée au hasard. Je soupçonne la brigade d'être dans la ligne de mire. Mais Gord n'est plus membre de la brigade. Et puis de toute façon, pourquoi quelqu'un essaierait de la viser? C'est exactement ce que j'aimerais découvrir. Elle a dit quelque chose? Elle m'a posé des questions sur notre guilde. Mais encore? Je lui ai dit que je venais de la joindre et que je ne savais rien. Arrête de grommeler juste parce que tu viens d'être blessé. Hein? Et toi, t'as quelque chose à dire, hein? Ben quoi? Il est interdit de se disputer ici. Mais Shino, depuis que ce type nous a rejoints... Aucun de nos actes ne doit être dicté par l'esprit de vengeance. Oui, mais... Il est temps d'être patient. Ça me met hors de moi. Mais je n'aime pas blesser ou même être blessé, donc je suis d'accord avec Shino. En plus, ce n'est qu'un jeu, alors autant s'amuser. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? Je me demande ce que la brigade de Crépuscule fait en ce moment. Si ça te tient à cœur, tu devrais la rejoindre. Il ne faut pas exagérer, leur sort ne me touche pas. Lorsqu'elle est venue me voir, je lui ai dit que je ne savais rien du tout. Je déteste l'admettre, mais c'est la vérité, je ne sais vraiment rien du tout. Ce ne sont pas nos oignons de toute manière. Surtout si tu as l'intention de te tenir à l'écart de la brigade. Ce n'est pas aussi simple. C'est dur de prendre un nouveau départ. Mm-hmm. C'est à propos du nouveau boulot que tu m'as confié l'autre jour. Il faut que tu sois plus précis. Tu voulais que je contrôle un personnage. Il y a un problème? Ou bien des plaintes? Non, mais en plus de la récompense, on m'a donné quelque chose de bizarre. Et je ne sais pas quoi en faire. Il n'y a rien de mal à accepter un petit pourboire. Mais c'est un item que je n'ai jamais vu auparavant. Où est le type qui t'a donné ça? Il s'est envolé. Trouve où il se cache et contacte-le immédiatement. Je m'occupe du reste. Ok. Assez haut, attends une minute! C'est trop dangereux pour traîner tout seul. Écoute, je ne suis pas comme toi, Tabby. Et puis arrête de me suivre, c'est compris? C'est bizarre que ça se produise maintenant. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce nouveau territoire fantôme? D'ailleurs, pourquoi il est là? Avant, il y avait un dragon qui dormait au fond de ce lac. Il paraît que pour gagner de l'énergie, il mangeait les monstres et les voyageurs qui regardaient la surface de l'eau.
Et un jour, il a montré son vrai visage. Oui. Voilà quel genre d'endroit tu as devant toi. Pourvu que les choses rentrent dans l'ordre à partir de maintenant. Elles s'arrangeront. Ils ne sont pas du genre à se laisser abattre juste parce que quelqu'un a été blessé. Je sais. Pourquoi tu ne parlerais pas avec eux? Parce que cette tâche te revient. Je te laisse t'en occuper. Je comprends. T'as une idée de ce que ça pourrait être? Oui, c'est un item antérieur. Un item antérieur? La première version du jeu comportait plein de pierres de ce genre. Où l'as-tu trouvé? C'est difficile à dire, il semblerait que l'item soit passé dans les mains de nombreux joueurs. C'est intéressant, personne ne semblait savoir quoi en faire, alors... Si tu veux atteindre la brigade, utilise donc ça. Selon l'usage que tu en fais... Des choses plutôt intéressantes pourraient se produire. Ah bon, vraiment? Attends une minute, si tout ceci concerne la brigade, c'est moi qui m'en occupe. Il vaut mieux que tout ce qui concerne cet item revienne à Tawaraya. Bon alors, cela dit, il est temps pour moi d'y aller. Tu es toujours présent? Je savais bien que tu viendrais. J'aimerais parler à Gord. Où est-ce que je peux le trouver? Êtes-vous amis? Je m'appelle Tabby, membre de la brigade du Crépuscule. Enchantée. Tu peux m'appeler Philo, jeune fille. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, non? Dis-moi où se trouve Gord. À mon avis, il est quelque part dans cette ville. Tu l'as vu? Non, il est avec Bicette. J'ai entendu dire que quelqu'un en avait aussi après elle. Ah bon? Tu en es sûr? Oui, je pense que Gord et elle sont encore dans la zone d'alchimie. Je te garantis que tu la trouveras toujours à cet endroit. Tu connais, tu y es déjà allé. Alors j'arrive en deuxième choix derrière Aseo? Nous avons d'autres projets pour toi. En affaires, tu dois tenir compte de toutes les occasions dont tu pourrais tirer profit. Tirer profit? On a pensé que tu pourrais nous être utile. Ta remarque est loin d'être un compliment. Tiens, réfléchis et vite. Ovan s'intéresse de près à cet objet. Il veut ce truc-là? À vrai dire, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ni de ce qu'il a l'intention d'en faire. Toutefois... Bon, où veux-tu en venir avec tout ça? Cet item n'est pas référencé dans le jeu. Il n'est pas dans le manuel. Et la clé du crépuscule? On ne sait jamais, ça pourrait peut-être avoir un lien avec ça. Alors dépêche-toi de demander à Ovan. Il est bien le maître de ta guilde, n'est-ce pas? Tu ne sais donc vraiment rien? Alors là, ça pose problème. Tu vois, s'il ne communique pas certaines informations aux membres de sa propre guilde, ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance. Ou peut-être même qu'il utilise la guilde à ses propres fins et se servira de ce que vous trouverez pour lui-même. C'est impossible. Abandonne et viens travailler avec moi. Pour l'instant, je compte le garder pour moi. Bien, on se reverra. Salut. Hein? Où est Gord? Désolé, il n'est pas dans les parages. Il est où? Aucune idée. Il me semble que tu devrais le laisser un peu tranquille. Quoi? Gord est en train de se préparer pour battre Ovan à plate couture. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Il vient tout juste d'être blessé par un joueur inconnu. Je suppose qu'il est encore sous le choc. Il tient à battre Ovan?
C'est donc ce que tu crois? Bien sûr que non. Tu es nouvelle? Je m'appelle Tabby. Et toi, t'es qui? Est-ce que toi aussi, tu vis au van? Pas du tout. Expliquez-moi ce qui se passe. Est-ce que tu as été blessée par des P.K.? Non, j'étais en ville et on m'a seulement poursuivie. Tu as la moindre idée de qui ça pourrait être? Qu'est-ce que tu comptes faire? À ton niveau, tu seras rapidement éliminée. Mais moi, je... Et Ender? Ender? Tu la connais? Ben non, mais pourquoi est-ce que l'Ethan... L'Ethan? Tu connais Ender, n'est-ce pas? J'en suis presque certaine. Non, je ne la connais pas. Mais il y a une minute à peine. Arrête de me suivre. Assez haut, tu prends trop de risques à jouer en solo. Regarde Sakisaka, il est bien tout seul, lui. Non, mais tu ne comprends pas. Sakisaka s'en sortira très bien. Ah? Parce que c'est mon prof, alors il ne peut pas perdre. Oh. Tu commences à me gonfler. Explique-moi ce que tu fais ici! Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais en train de suivre Aseo. Bon alors, et toi, qu'est-ce que tu trafiquais tout ce temps? Oh, en fait, j'étais... Oui, je rentrais chez moi, voilà. Hé, hey, dis-moi, le type qui vient de sortir de la zone réservée au Tan, c'était bien Aseo, non? Il a déjà changé de guilde. Disons que la brigade du crépuscule n'a rien à voir avec le Tan. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu m'as fait venir? J'aimerais avoir ton avis à propos de quelque chose. Mon avis sur quoi? On m'a donné un drôle d'item qui n'est pas référencé dans le jeu. Si on ne possède pas cet item, on ne peut pas aller là où se trouve la clé du crépuscule. Et cet objet n'est pas dans le manuel? Qu'est-ce que tu en dis? Ça t'intéresse? Alors? Alors quoi? Je n'ai peut-être aucun avis sur la question. Tu crois que ce qu'on raconte est vrai? Ça se pourrait. Tu fais partie de la brigade du crépuscule ou tu fais semblant? Tu es bien à la recherche de la clé du crépuscule. L'info que tu essaies de me refiler ne m'intéresse pas. Tout ceci n'a rien à voir avec toi. Détrompe-toi, tu es simplement aveugle. Tawaraya a transmis l'information directement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Ender, non? Oui. M'attaquer au membre le plus faible, c'est fait. Ah! Qui es-tu vraiment? Réponds-moi. Mais... tu t'intéresses à moi maintenant? Et pourquoi pas? C'est toi qui tournes autour de la brigade et qui passe son temps à blesser tout le monde. Ça te pose un problème? Ça devrait. Tu sais, j'ai les mêmes projets que toi et tes amis. C'est-à-dire trouver la clé du crépuscule. Hé, mais c'est Aseo! Je te souhaite bonne chance, petit. Aseo! Aseo! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air complètement désespéré. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh. Ça alors? Je faisais que m'inquiéter, voilà, c'est tout. Zut alors! Débile ce player killer. Mais dis-moi, c'est rare de te voir en ville. Tais-toi! Si tu as le temps de me parler, alors tu as le temps de récolter des informations. Débile. Est-ce bien?
Assez haut. Qu'as-tu à dire concernant l'item non référencé dans le manuel du jeu ? Je pense que, de toute façon, nous devons tous examiner l'item de près. Il faut absolument découvrir s'il a un lien avec la clé du crépuscule ou si c'est des rumeurs. Mène ta petite enquête à ce sujet. Si tu découvres des infos pertinentes, alors tu auras l'avantage. Ah ! Assez haut a fini par sourire ! Non, je n'ai pas souri. Bon, alors il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez. Qu'est-ce que c'est ? Allez, dis-nous ! Il existe un item appelé Pierre de Virus qui n'est pas dans le manuel. Je veux que vous le trouviez. Pierre de Virus ? Tu en as entendu parler ? Non. Shino, montre-leur où aller. Ok. Il nous faut une pierre de virus. C'est un item spécial qu'on ne trouve que dans les territoires fantômes. Tu veux dire que cet item est rare ? Exactement. Séparons-nous pour essayer de le retrouver. Alors, il y en a combien en tout ? Je ne suis pas sûre du nombre, mais je crois qu'il y en a plus d'un. Hein ? À quoi ça ressemble ? Je crois qu'il a plus ou moins cette forme-là. C'est tout petit. Je me demande si on va arriver à en trouver. Tu ne sauras jamais ce qu'il y a à découvrir si tu abandonnes avant même d'avoir commencé à chercher. Ça, c'est bien vrai. Et je serai la première à en trouver une. Shino, tu crois vraiment qu'il faut qu'on se sépare ? C'est prudent, vu qu'on est dans la ligne de mire d'Ethan. Sakisaka, tu te fais trop de soucis. Tant pis. Je crois que je vais aller faire un petit tour. Qu'est-ce que c'est beau? Tu trouves pas? Ah oui, mais je doute fort qu'on trouvera un item comme celui-là dans un endroit pareil. Peu importe les informations dont nous disposons, la brigade doit faire un effort. C'était ton idée de vérifier les informations, n'est-ce pas ? Oh. Mmh. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ignore ce que ça peut être. Ce n'est pas grave. Certaines choses nous échappent, alors qu'elles nous entourent. Et puis, ça vaut aussi pour le monde réel. Dans ce monde, c'est pareil à la maison ou à l'école, sur ton lieu d'activité, dans tous les aspects de ta vie. L'inconnu pousse à apprécier la faculté de compréhension, et le mystère nous renvoie au plaisir que procure la découverte. Même si tu ne connais pas toujours les règles, profite de ton rôle et prends les événements comme ils viennent, et tout rentrera dans l'ordre. On n'apprécierait pas les choses à leur juste valeur. Si tout était acquis. Tabby, c'est la femme qui va blesser. Hey, notre vitesse de course aurait dû augmenter. Alors dépêchez-vous. Peu importe le nombre ou l'identité de mes adversaires, je serai assez forte pour les vaincre. Préparez-vous, j'arrive. Oh, mais quelle tranquillité. Oh. Elle sortait d'où, celle-là ? Elle est sortie de nulle part, comme si elle nous attendait. Tu as fait quelque chose, assez haut ? Moi ? Et pourquoi ? J'ai entendu des rumeurs. Les gens disent que tu as retourné ta veste et que tu es passé du côté des Tan. Tabby ! Quoi ? Il y a bien quelque chose qui cloche ! Hein ? Ben quoi ? Où as-tu sorti l'information que tu as donnée à Ovan ? C'est quoi tout ce cirque à propos de battre Ovan ? T'arrête pas d'en parler ! Bon, d'accord, si tu le dis. Assez haut. Personne ne va me regretter si je quitte la guilde.
Tabby, tu es allée trop loin. Tu n'as pas l'air en forme. Ça ne te ressemble pas. Hé, hey, assez haut. Laisse-moi tranquille. Ah. Hein? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à faire appel à moi. Alors, Aseo est peut-être